plus, je vous dis, la pompe, elle est désamorcée. Coucou tout le monde, nouvelle journée, donc nous sommes jeudi. Il est 16h12 et là je suis encore à la pompe avec Christophe. En fait, en revenant, il est tombé en panne pas loin de la maison. Donc du coup, j'ai été le rejoindre. Bon, ça va, c'était pas très loin. On a été chercher un... Enfin, il a appelé le garage, hein, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est le même problème. Dès qu'il arrive à la moitié du réservoir de gasoil, voilà, elle tec comme s'il avait plus de gasoil alors qu'il a encore la moitié. Donc ils peuvent pas avoir la voiture avant demain, donc lui il en a besoin clairement pour aller travailler. Donc on est revenu chercher un bidon de gasoil, il l'a remis, on a galéré, là ça fait au moins une demi-heure qu'on est en train d'essayer de la démarrer. Elle a enfin redémarré, et là du coup on est repassé à la pompe, il va re-remplir en fait son réservoir. Mais bon, c'est pas normal quand même que dès qu'il arrive à la moitié du réservoir, en fait elle tombe en panne comme s'il n'y avait plus de gasoil alors qu'il y a de la moitié. Donc voilà, donc c'est ce qui m'énerve en fait, c'est que... Du coup j'étais en train de vous dire, ce qui m'énerve c'est que... En fait on l'a acheté dans le garage Exam directement. On a payé la voiture cash, donc quasiment 7000 balles, et en fait il a emmerdé quand même avec la voiture, quoi, donc c'est pas normal en fait. C'est ça qui me saoule, c'est notre voiture, je veux bien, oh là, elle était ancienne, elle avait beaucoup de problèmes, tout ça, mais là je veux dire, on s'est débrouillé pour acheter une voiture quasi neuve parce qu'elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, dans un garage, à payer cash et tout, et au final ça fait déjà trois fois qu'il a un problème. La première fois il a eu le même problème de gasoil, donc la jauge elle est encore à moitié, il a encore du gasoil dans le réservoir, hein, il a vérifié, et il tombe en panne comme s'il n'avait plus de gasoil. Là ça lui a refait la même chose, et je vous ai dit, lundi en fait, panne de batterie sans aucune raison, alors que pendant les vacances elle avait démarré. Donc ça commence vraiment à saouler. Donc il va quand même rappeler, il va rappeler le garage je pense demain, ou ils vont me rappeler, je sais pas. Mais c'est chiant. Donc du coup je devais aller rejoindre ma mère, mon frère, ma soeur, tout ça, pour aller donner un coup de main pour la peinture à 15h30. Mais bon, depuis tout à l'heure, comme je suis avec Christophe, du coup là on rentre à la maison, il va aller prendre sa douche. Et dès qu'il a fini de prendre sa douche, j'envoie un message à mon frère, savoir s'ils ont encore besoin d'un coup de main du coup, parce que ça fait déjà du coup 45 minutes qu'ils sont là-bas, donc peut-être ils auront plus besoin de moi. Donc s'ils ont encore besoin de moi, du coup j'irai les rejoindre, et s'ils n'ont pas besoin, écoutez, j'irai peut-être à Intersport avec Alexis pour commencer à voir s'il y a des choses intéressantes pour le rhabiller. Sinon ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Un peu toujours la même chose en fait. J'ai une dame qui est passée vers 14h récupérer beaucoup de vêtements que j'avais mis en don, et là j'ai retrié du coup des vêtements que j'ai remis dans le sac, donc j'ai remis sur le groupe. Voilà, là j'ai commencé à... Enfin j'ai commencé. En fait, comme je vous ai dit, je trie un peu partout, donc je fous plus le bazar qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. À force de trier et de donner, il y aura quand même moins de choses à ranger, et on y verra plus clair. Bref, on arrive à la maison du coup, donc je vais voir si je pars faire la peinture ou pas, et je vous dis quoi tout à l'heure. À toutes. Recoucou, il est 19h11, du coup je vous ai dit, on n'a pas été mettre en peinture, mais Christophe il a été voir l'électricité. Tu fais voir les vêtements après les chaussures. Du coup on est à Intersport, bon mais elle a pris ça, elle fait pas de danse, mais c'est pas grave. Pour de la gym. En promo à 12,99 au lieu de 17,99. Donc elle s'est pris un juste au corps. Tiens mon cœur. Comme ça. Elle va l'essayer du coup. J'ai pris en 6 ans parce que. Je peux les étiquettes ou pas? On va l'essayer d'abord. Ah, elle peut l'essayer. Anna. Alexis s'est pris des chaussettes de foot, donc blanches à 1,99€. J'ai le ticket de caisse, donc à Intersport j'en ai eu pour un total de 247,90€. Donc du coup Alexis s'est pris un pull comme ça, donc pour l'école. Trop beau, j'aime trop. Je vais essayer de regarder, normalement il y a les prix dessus, ce sera plus simple, à moins qu'elle l'enlève.
Il était à 32,99 le pull. 32,99. Il lui va bien. Donc je vais prendre 12 ans le pull. Waouh. Le faire voir. Il lui va trop bien. Ouais. Heureusement que j'ai pris 6 ans. Hein. Ensuite, j'ai pris, oh, il a pris le pantalon là, donc qui suit avec la veste. Le pantalon, il était en promo à 24,99 ou le 34,99. Ça, par contre, on a dû prendre 10 parce que comme il est tellement fin. Ensuite, il a pris, donc là, c'est un ensemble. Un ensemble comme ça, donc je vous montre. Donc le bas. Le bas est tout simple. Bon. Il est tout simple, noir. Avec la veste là. Ça c'était à 44,99 l'ensemble. Voilà. Ensuite, je lui ai pris un ensemble pour le foot. Donc ça, c'était promotion. Donc 9,99 le haut. Et 9,99 le bas. Et 9,99 du coup le bas. Comme ça, ça lui fait un ensemble. Et il s'est pris un short de foot Marseille. 34,99 le short. Juste le short. Hein. Et blanc. Donc là, on vous a montré tous les vêtements. Je vais le garder. Et on va vous faire voir du coup les chaussures. Et après, on est passé à Leclerc du coup pour manger ce soir. Donc Alexis s'est pris une paire à 14,99. C'est juste pour le sport. Il a pris des comme ça. Pour le sport. Et Camille, elle s'est pris des chaussures. Pas, j'aime pas la marque. C'est combien les chaussures? Enfin, j'aime pas, c'est juste, j'ai jamais pris. 60 balles. 59,99, c'est ça? Oui. À 59,99, elle s'est pris celle-ci, Camille, pour l'école. Ouais, elles sont belles. Donc voilà pour nos achats du coup à Intersport. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on a pris à Leclerc. Comment c'est que ça? Et ensuite, on va donner à manger aux animaux parce qu'ils ont faim. Là j'ai pas le ticket de caisse aussi, mais tant pis. On a pris des chouquettes en promotion, bah, c'est pour Camille et Alexis, 1,70, il y en a quand même pas, 25. J'ai pris deux paquets de beignets chocolat noisette à 2,20€ le paquet. On a repris des pains hot dog de la marque Jacquet, on en a pris 4 paquets, c'est les paquets de 4. De la marque EcoPlus, on a repris deux paquets de saucisses du coup. J'ai pris une pizza. Elle va peut-être la manger avec le jambon de Hommel. Donc c'est des beaux, mais là j'ai pas pris jambon speck, j'ai pris jambon normal. Ouais. Voilà. Parce que Mel elle veut manger ça ce soir. Nous on va manger hot dog. Pour manger avec le hot dog aussi, ils ont pris une salade en sachet, salade iceberg. J'ai repris deux boîtes d'œufs, donc par 10. J'ai pris de la mascarpone parce qu'Alexis voulait que je refasse les. C'est des mousses. Les mousses Nutella. Les mousses Nutella, mais je ne retrouve pas la recette. Donc je sais qu'il me fallait de la mascarpone. Enfin, c'est Alexis qui me l'a fait rappeler. Bon, je ne me rappelais plus. Donc deux pots de mascarpone. Le Nutella, ça va, j'en avais acheté deux pots il n'y a pas longtemps. Camille a cherché des cornichons. Extra fins, croquants. Deux paquets de. C'est deux paquets ça? Ou un paquet? Un paquet de fromage burger donc pour manger avec les hot dogs. Deux camemberts le bon mayonnaise, hein, comme d'habitude pour Mathieu. Et je vous ai perdu, comme d'habitude. Alexis, lui, s'est pris une assiette de la marque Dossi. Saumon et tagliatelle, sauce à l'oseille, comme ça. Et il s'est pris, c'est quoi ça, Doré Michon? Filet de saumon, purée de brocoli. Je vais faire caractère. Doré Michon. Il s'est pris des assiettes comme ça. Saumon ou purée? Voilà pour les achats et du coup à Leclerc j'en ai eu pour je sais plus. Regarde, j'en ai eu à Leclerc. Je m'en rappelle plus. Ah bah si on fait. En plus le ticket de caisse est dans ma poche.
Leclerc, j'en ai eu pour 38,40, c'est ça? Ouais. Ça donne pas très envie. Hein. Un hot dog 1,53€, cornichon 1,02€, le saumon et oseille. Ah, oh, ça pue. 2,35€, camembert 1,85€, les œufs 1,49€. Fromage cheddar 1,15€, mascarpone 2,42€, chouquette à 70€, bah les beignets 2,20€. Tu vas manger avec quoi? La salade 1,88€, les saucisses 1,24€, la pizza 3,08€ et filet de saumon fleury michon 3,34€ pour un total de 38,40€. Voilà. On a dépensé de l'argent, hein. Bon, après, c'est pour l'école. C'est les dépensé, vêtements et chaussures. 240, je pense. Je cherche le ticket de caisse à chaque fois. 200 boules. Je crois que c'est ça. Hein. 247,90. Voilà, donc là, on va donner à manger aux animaux. On va se faire à manger et je vous reprends après pour papoter comme d'habitude. Re-coucou tout le monde, il est déjà 22h07. Hein. Donc on a mangé, donc nous, je vous ai dit, on a mangé hot dog. Alexis a mangé une assiette, je sais plus c'est quoi. Je sais plus ce qu'il a mangé. Il a mangé solo. Il a tout mangé, donc apparemment, ah, c'était c'est bon, qu'il mais... a aimé. Et là, Alexis est chiant, il m'embête pour faire... C'est quoi que tu veux faire? Des mousses Nutella. Sors un pot de mascarpone, c'est 500 grammes ou pas? Du coup, bah, je vous prends pour faire la recette pour terminer le vlog avec vous. C'est 6. C'est combien ça? 500 grammes ou pas? Ouais. Moi aussi, je suis en vidéo. Donc, du coup, il nous faut. Comment t'as écrit œuf? T'as pas oublié un... Ouais, t'as pas oublié un O devant? E-O-U-F-S. Mmh. Donc du coup des œufs il nous en faut 5. Bah on en a pas. Mais si j'ai racheté des boîtes. Je sors 5 œufs. La mascarpone. Donc là nous on fait normalement la recette pour 6 personnes. Je vous l'avais déjà faite dans un autre vlog. C'est pour 6 personnes 200 grammes de mascarpone. Mmh. Mais nous en fait pour pas gaspiller la mascarpone on fait le pot. Donc 500 grammes. 5 œufs du coup. Quoi? Il en manque deux. Stella descend de la table. Du Nutella et du coup il nous faut 150 grammes de sucre. Du coup j'avais ma tête en plein, hein. C'est ça, c'est 100... ouais, 150 grammes. T'es en train de faire des conneries. Du sucre et du chocolat. Alors. Faut qu'on voit ma tête en fait. On veut qu'on voit que mes mains. D'ailleurs, tu filmes comme ça là? Il veut filmer avec son téléphone, mais tu le places là ton téléphone, vers là, la recette, vers là. Mais non, contre la plante. Voilà, mais tu filmes là. Tu filmes personne en fait, tu filmes que le... Voilà. En plus, tu l'avais bien mis. Donc du Nutella. Et on va peser le sucre du coup. C'était là, descend de la table. Tu peux aller chercher, parce que là, il n'y en a plus dans le cours, un sucre fin dans le meuble à l'entrée. Ah mais du coup on va le voir. Mais c'est pas grave. Tu comprends au pire. Faut encore que je fais le singe. Quoi?
dois toujours faire le singe en fait quand je fais du Nutella, de la mascarpone. Là on va mettre le plan, mais si je mets le plan, on voit plus rien à ton téléphone. Déjà, changement de place. Faut que j'y aille à des moments, ce que je fais. Rébaisse-toi. Voilà. Et au pire, tu fais un montage comme moi, hein, tu coupes. Je non. Sais pas. On m'a vu. Allez. Ah, bah ça va couper. Bon, tant pis. Combien? 150 grammes. Donc tu vas doucement. Mets pas ta main dessus, sinon ça va faire plus de grammes. Ah. Vas-y. Mets pas ta main. Quand t'arrives presque à 150, tu fais attention, tu ralentis. Ouh. 154. 154. Bah, bon. Ça va, un 4 de plus. Tu peux le refermer. Mets-le sur le côté pour l'instant. Bon, on va commencer. Donc, qui c'est qui fait ça? Miliana, avec le meuble. Il faut la balance pour le mascarpone aussi, non? Non. Tu peux prendre un fouet, tiens. Hop. On vient faire les blancs avec les... Non, les blancs, on va les monter en neige. Toi, tu vas... Mélanger les jaunes. Qui fait des conneries? C'est moi, c'est Bibi. C'est Lucette, hein. Je vais me faire appeler Lucette maintenant. Tu sais? Quoi? Parce que papa, il m'a dit. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Du coup, Cyril, elle m'a appelé Lucette. Elle m'a écrit coucou, ma Lucette. Ça va être mon surnom maintenant, Lucette. J'aime pas ça mélanger, trop ce prénom. Enfin, j'aime pas trop. C'est pas que j'aime pas trop, mais. C'est un peu chiant de voir ça dans les commentaires. Non, mais j'aime. Voilà, c'est un beau prénom, mais je préfère quand même Audrey. Quoi. Même si j'aime pas trop non plus forcément le mien, mais. On va garder Audrey. Quoi. C'est vrai que Louisette. Ma petite Louisette, arrête. Non, s'il te Lucette. Plaît. Ah, Lucette. Ouais. Encore pire. Ça fait un peu. Lucette, arrête tes bêtises. T'imagines, ma mère est vraiment Lucette. Je vois pas ta mère t'engueuler. Lucette, t'arrêtes maintenant. Tu vois, non, je vois pas ma mère t'engueuler. Lucette. Moi, c'est un prénom de riche. Lucette. Mmh. Ma petite Lucette. Pas forcément. C'est des gens. Mais bon, ça fait un prénom ancien quand même. Enfin, plus ancien quand même, du coup. Que Audrey. Comment ça mélanger ou pas? Mais attends, j'ai fait des conneries. J'arrive pas à l'enlever. Non. Faire de la pâtisserie avec Audrey. Avec Lucette, s'il vous plaît. Ok. C'est toi Lucien, et mélange. Tiens, mélange Lucien. Hop. Bon voilà, j'ai séparé les jaunes des blancs. Donc là on va faire travailler Alexis, il aura plus de muscles. Alexis, j'allais dire. Je sais plus parler. Lucien. Allez, Alexis, on mélange. Normalement, t'es... Ça devient comment? Normalement, ça doit devenir presque blanc. Hein? Tellement tu dois mélanger. Non, pas comme ça. Tu dois mélanger comme ça. Il remarque pas. Il y a un bois, il blanchisse. Ils sont plus clairs. Moi, ils disent que j'ai déjà des forces dans mes bras, mais alors si en plus je dois faire ça, donne une grande cuillère s'il te plaît. Voilà. Et après, tu vas mélanger là, ça va te faire vraiment les muscles. Ouais, il y aura tout le mascarpone et tout. Ça va être dur là, tu vas voir. Ça devrait devenir blanc aussi.
Bah, l'eau, tu vas juste mélanger avec la mascarpone. Merci. Attends, parce que l'eau. C'est bon, j'ai. Je vais pas arriver à l'ouvrir, ce truc. Ah, ça y est. Mais ça ne fait pas bien, en fait. Tout est là-dedans. Comme je disais la première fois qu'on a fait les mousses Nutella, il ne faut pas gaspiller le mascarpone, ça coûte cher. Allez, touille. Ah, bah, si je te mets tout, tu vas chier dans ton froc, moi, je te le dis. T'as déjà... Viens, vas-y. On rigole. Vas-y. Non, je t'ai pas demandé de remettre à côté. Je vais remettre à boire aux chipettes parce qu'elles ont plus à boire, non, dans la gamelle. Pourquoi ça va se coller? Faut pas que ça fait des morceaux. Hein. Avec lui, je serais capable de me prendre un coup de fouet. À tout moment, ça sort. Hein. En plus, tu vas devoir tout mettre. Ah ouais. Je te mélange ça et après tu continues. Je vais continuer. On va en rajouter un petit peu. Ce qui est chiant, c'est que ça fait des morceaux de mascarpone. Bah ouais, faut tout mettre. Hein. On va attendre. Je vais faire la... C'est à moi la plaisir. Vas-y. C'est sûr que j'y arrive. J'ai de la force dans mes bras, moi. Je suis petite, mais costaud. Moi aussi, je peux faire comme toi. Mais... Merde, faut que je fais l'autre sens. Mais toi qui le mets. Comment je fais avec mon bas, tant pis. Bah, prends déjà le reste avant de le mettre avec ton dos. Il en reste encore plein. Et après, au pire, tu te sers du bord du... Ma soeur. De la boîte. Ah, c'est vrai que ça donne mal au bras. Hein. Bon alors, tu t'en sors. Comme ça. Pardon. C'est pas Camille, c'est elle ici. J'ai dit pardon. Encore heureux que tu dis pardon. Voilà, ça me vient. Mais tu y arrives? Non, c'est énervant. Je comprends plus. Ah, j'ai mal au doigt. Je casse tout. Tu vas travailler, tu vas prendre un stylo, tu vas avoir mal au doigt. Eh mais non, vu que c'est le doigt là, moi j'écris pas avec le doigt là. Que tu t'es coupé. Ouais. Mais en même temps, je sais pas ce que t'as fait. Mais là, c'est la sueur. C'est dans le clair, non? Là, c'est la sueur. Mais j'ai frotté avec mon doigt et d'un seul coup. Moi, quand j'ai de la sueur, je saigne. C'est pas normal. C'est bizarre, toi. Carrément, je dirais, c'est paranormal. Bon, je mélange ça et après c'est toi qui prends le relais. Hein. Pourquoi? Parce que tu vas mélanger un peu. Hein. Tu les as fait les blancs de la neige? Bah non, pas encore. Mmh, tu veux, je peux faire les blancs de la neige? Je sais pas le dire. Je vais faire un rose. Je vais juste aller chercher une pierre. C'est bon. Voilà, elle est belle. Il y avait des morceaux du coup. Allez, tu vas touiller. Hein? J'ai touillé tout ça? Je vais te mettre le Nutella. Il faut combien de cuillères du coup? 5 12 et demi. Ah, parce qu'on fait un fois deux. C'est un nouveau sûr. Je crois. Ah, punition. Ah, ça, ça, ouais. Je voudrais bien voir les tronches que je fais quand j'ouvre les pots. Attends, déjà, je vais essayer. J'ai chaud. Incroyable. Par contre, je vais devoir... Et d'ailleurs, du coup, Eva, elle m'a dit le premier jour, ma mère, elle me ramène, ou mon père, je sais pas. Le premier jour, elle m'a dit non, mais... Tous les autres jours, ouais.
Je vais faire le tour à la croix-bouche. Allez, merge. Ça a l'air d'être bon, on peut pas manger comme ça sinon. Mmh. Ouais. T'abuses. Ça doit devenir marron. La couleur chocolat. On va quoi, tu mets des grosses cuillères, du coup je vais pas mettre 12,5, je vais mettre que 10. Parce que vu les cuillères que je mets. Ah bravo. Tu t'es rapproché. Est-ce qu'il est bon? Bah c'est du Nutella en même temps. Ça passe. Alexis de base il aime pas le tout ce qui est chocolat. Hein? Il n'aime pas trop le chocolat. Non. Il n'aime pas trop le chocolat, mais par contre, les mousses Nutella, il aime bien. Et pour avaler tous nos Kinder Joy, là, il a aimé aussi. Ouais, mais j'aime pas la peau du milieu. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous la laisse. Bah non, c'est bon, avec le temps, tu manges tout en même temps. Voilà. Bon, Alexis, va bien mélanger sans faire tomber. Je vous mets en pause parce que je suis allée le... robot et ça fait du bruit et je vous reprends. Bon voilà, j'ai fait les blancs en neige, ils sont beaux parce qu'ils coulent pas sur sa tête. T'as eu peur, ouais. Ah bah à tout moment ça coulait vraiment et je me prenais jouer en mélanger du tout doucement sans les casser. Faut pas casser les blancs en neige. Bah faut aller doucement. C'est ce qui va donner le côté léger. Et après du coup j'ai pris les pots comme ça. Bah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ouais, après, c'est juste qu'ils ont plus d'appui. De toute façon, t'es pas obligé de mettre jusqu'en haut parce qu'après, ça va faire. Je vais dépasser. Ça va faire beaucoup, mais même que tu mets jusqu'à l'eau. Donc, on a pris les petits pots comme ça. Alex, il va les remplir. Et je les remplis avec quoi? Avec une bouche. Mmh. Tu mets genre une bouche dans le sac et après, on verra. Là, tu peux déjà préparer, à mon avis, 10 pots comme ça. C'est même par contre. Ah, tu peux prendre, il y en a des autres pareils. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 7, 8. 7, 8. Et après, on va laisser, c'est minimum une heure au frais. Donc, Alexis serait capable d'en manger une tout à l'heure. Sinon, on les mangera. J'ai toujours pas fait de recette, je vous avais même pas montré, je vous avais oublié. C'est pas grave. Ma soeur, elle m'avait donné, je sais plus c'était quoi. De quoi, laquelle? Le truc qui est dans le bac qu'elle avait donné, je sais plus c'est quoi. J'en ai jamais acheté, je sais même pas quelle recette je peux faire avec. Faut que je teste, je sais plus c'est quoi. Une semaine d'école. Eh ouais. Une semaine, on va se lever à 8h, à 7h même. On va se relever plus tôt. Tu vas travailler toute la journée, plus le foot, plus les devoirs, les douches, machin. Ben, les journées vont passer vite. Après, le foot, le mercredi, ça va être pour me détendre, mais le vendredi, ça va être pour me tuer. Ça va, et le lendemain, t'as pas l'école. Le vendredi. Et en plus, à des moments, on aura des... Je crois qu'il y avait un cheveu, mais c'était une trace de chocolat. À ce moment, on aura des petits matchs le samedi, le dimanche. Donc, j'aurai qu'une journée de repos, rien. On verra, hein. C'est toi qui as voulu faire du foot. Oui, mais ça me plaît. Oui, et puis si ça pouvait te défouler, ça serait bien. Je mettrais des grosses patates. Ça t'arrête trop de chiant, mon fils. Après, je vais aller me faire un pansement. C'est un merdeux. Bah, tu vas prendre une bonne douche, tu mets un pansement et tu vas te coucher. Ouais, t'as merdé. Moi.
Moi, merdeuse. Bah, punaise. Moi. Tu veux que je te fais voir hors caméra? Je vais essayer de te filmer, puis moi. Tu veux que je leur montre? Ok, je reste dans ma chambre pendant une semaine. Non, je vais prendre la plus fine, ça sera plus simple. Oui. Alexis va remplir du coup les pots. J'ai chaud. Pourtant, tout est ouvert encore. Il fait trop chaud. Je crois qu'on avait fait 2 degrés dans la maison, mais. Quoi? Non, regarde. Arrête tes conneries. Comme ça, tu vas te laver. Allez, tiens. Attends, peut-être les frotter un coup, les petits poneaux. Il est où mon torchon? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grimaces. Non. Je te vois. Moi aussi, je peux t'imiter. Bah non, parce que je veux pas casser une manette. C'est Mathieu qu'on a entendu crier? Ouais, c'est bon, peut-être. On va commencer par les commencements. Par contre, lève le pot, tu le tiens avec ton autre main. T'as deux mains, tu sais, je t'ai fait deux mains. Mal. De tes doudouilles. Allez, va doucement. Oh, allez. Une louche, ça fait quoi quand tu mets une louche complète? Ça fait toi. Mais non, ça fait pas mousse. Seulement. Je vais voir ce que ça fait. Ah oui, si c'est pour que tu gaspilles, ça sert à rien. Je vais voir ça. Ça fait pas beaucoup. Hein. Mmh. On met la moitié d'une louche. Par contre, avec toi demain, on est encore ici. Du coup. Ça fait déjà 20 minutes hein, que tu fais ça. Non, ouais. Ça fait même pas 2 minutes. C'est bon, hein? Ouais, je pense. Voilà, ça fait une belle mousse quand même. Ouais. Ah, c'est parce que de base, avec la recette là, ils disent de mettre une chantilly au-dessus. Mais nous, on en met pas. Non, c'est pas bon. Ouais, il y en a assez. Parce qu'après, c'est écœurant peut-être. Elle est bonne. Bon, après, là, elle est pas prise. Alors, on sent bien le Nutella. Hein. Il n'y a pas de danger. J'ai chaud. J'ai trop, trop chaud. Si tu fais des conneries, on te voit. Je fais pas de conneries, je t'imite. Concentre-toi. Arrête. Quand pâtisserie, ils vont me faire ça. Oui. Non. Ils vont faire ça. Concentre-toi. À tout moment, je vais tout tomber. Concentre-toi. Je sais que tu vas me le refaire au bout d'un moment. Là, c'est bon? Ouais. Regarde là, je veux un peu. Ouais. Et qu'est-ce que tu dois faire en pâtisserie si tu as fait ça? Quoi je fais? Bah, tu fais quoi là, avec ton pou? Tu fais ça, tu tapes un coup, pour que c'est droit, regarde. Et après, tu fais quoi ça normalement? Fait bling bling. Nous, c'est pour nous, mais tu fais quoi normalement toi aussi, t'es en pâtisserie? Ah, mettre dans la sentier, là. Là. Tu viens nettoyer tout le tour. C'est parce que là on s'en fout, c'est pour nous, mais de base, c'est toujours bien nettoyé. Ouais, ça voit, là, il n'y a rien. Bah, il y a des traces quand même. Ok, faut nettoyer. Mathieu. Bon, il y en a un, il joue au ping-pong, j'ai pas c'est qui. Bah alors, tu continues? C'est bon. Oh, Mathieu, il me fait peur. T'inquiète, venga la volée, là. Oui, non, on ne voit pas, on voit que Alexis faire ses mousses. C'est toi qui as fait tomber les balles? Bah, je t'ai pas dit que t'as fait exprès. À chaque fois, je dis ça. Je t'ai pas fait exprès. Je t'ai rien dit. Hein. Ce soir, je vais prendre l'exolame parce qu'entre les hot dogs et j'ai mangé un beignet chocolat. Ça fait mal au bide. Je vais avoir trop mal à l'estomac sinon. Donc, je vais prendre un exolame avant de dormir. Par contre, hier soir, j'ai pris l'exolame quand même. Et je crois que je me suis endormie, que j'avais pas fini mon cachet. Je me suis réveillée à 4h au matin. Il était collé là à mon palais. Et j'avais tout le goût de xolam dans ma bouche et tout. J'ai dû aller boire parce que c'était dégoûtant. T'as faim, mais t'as toujours faim, ma fille. T'as mangé.
Vous avez vu, j'ai acheté, je vous ai montré du coup dans ce vlog, j'ai acheté la pizza jambon pour Mel, la Sodebo, parce que maintenant elle aime bien. Et mais en fait, elle me fait retirer presque tout le fromage et le jambon au-dessus. Hein. Donc elle mange plus la pâte, mais bon, bref. Ça, c'est bien. Je lui fais un quart de la pizza comme je fais tout le temps, parce que sinon elle gaspille. Et au final, elle m'a refait faire une autre part. Donc ça fait qu'elle a mangé la moitié et elle l'a mangée complète. Elle s'est régalée. Elle s'est régalée. Mais tu nettoies avec quoi? Avec un chiffon? Bah oui, avec un sopalin en pot, tu vois. On prend pas le même chiffon à chaque fois pour le même truc. Hein. Après, on est maufré, vous allez aller prendre vos douches là parce qu'il est tard. Tout le monde va aller prendre sa douche. Faut que j'écris ma lettre pour la mairie, je l'ai toujours pas fait. Faut faire mon ticket de bus. Faut que je téléphone à la mairie. Et peut-être ma carte SIM. Ah, en état de clair. Parce qu'en plus, je crois que je sais pas si je vais te faire solde de l'état. Je vais peut-être te commander à Free. Je sais pas. Oh, tant que j'ai une carte. Le même abonnement que. Gare. Oh, allez. Non, t'as mis une crotte par terre. Hein. Oui, il a mis une crotte par terre. Regarde. Non. Pourquoi tu mets par terre? Arrête, t'es calmée. Regarde, c'est un pote. On joue pas avec la nourriture. C'est toi qui a commencé. Regarde ma tête. Ah, j'allais prendre, tu sais quoi, pour te frotter. J'allais prendre le mouchoir là-bas. Non, là-bas. Il y a que caca. J'ai frotté la litière avec, heureusement. Ça y est, celle-là, du coup. Oui, il y en a tant mieux plus que dans les autres, non? C'est pour moi. Bah, tu vois quoi? Bah, de toute façon, je fais des conneries, moi, mais c'est pas possible. Regarde. Toi, tu sais faire ça? C'est pas une pro, hein? C'est qui t'a pris ça, toi? C'est Bibi. C'est qui est dans la... Hein? Je savais pas que j'en avais sur ma main. Pourquoi t'en as mis sur ton doigt? J'avais pas... Pourquoi t'aimes pas la chantilly? C'est pas bon. Je trouve bien. C'est moi, mais en plus. Ah, je pensais que t'allais me le faire. Mais ouais, c'est comme ça entre. On en a déjà une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Pour moi. Huit. Bon, on va faire une dizaine, je pense. Bon, de base, ils disent pour 6 parts la recette normale. Donc là, logiquement, on a fait pour 15 parts. Mais bon, là, c'est quand même des gros pots. Hein. Oh, je vais m'en garnir une bonne. Ouais, là, il y en a plein des grosses. Hein. T'es pas obligé d'en mettre beaucoup non plus. Ah, mais j'ai peur de te renverser. 3, 6, 7, 8. Comme ça, tu peux encore en faire facile 2 après. Maman. Quoi, ma chérie? Où est la télé? Je sais pas, Alex, il regarde la télé. J'en ai où, Alex? Derrière mon oreiller. Ils sont toujours en train de cacher les... C'était pour pas qu'elle la canne. Elle était en train de jouer à Roblox. Tu la crois? Ah, regarde, tu dois y aller. N'importe quoi, mais on te verra jamais dans... Même si t'es dans le fauteuil, on te verra pas là. La caméra, elle est pas du tout vers là. T'inquiète, si on reste, on sait qui va le finir. Ah, tu peux pas la manger comme ça. Hein. C'est mal. Ah, d'accord, on Ah, après, si tu trempes un peu ton doigt, mais faut pas en manger trop non plus, tu vois, malheureusement. Mais tu mets pas de son, hein. Déjà, même prise, tu peux pas en manger trop. Bah, tu mets pas trop de son parce que je suis en train de filmer. Combien j'en mets? Et bah, je sais pas. Hein? Je peux pas. Pourquoi? J'ai pas entendu. En plus, tes vidéos à toi, si tu regardes Roblox, ça met beaucoup de son. Salut! Elles sont fortes, ces vidéos. Même moi, dans ma chambre, je l'entends avec mon casque. C'est un Roblox. Toi, par contre, arrête de t'endormir avec ton casque. Tous les jours, je suis obligée de venir t'enlever ton casque parce que tu dors avec. C'est dangereux, je t'ai dit. Et pourquoi je te réveille? Papa, il pourrait pas me le faire. Mais papa, il dort. Hein. Et moi, à chaque fois, je viens te voir et t'as toujours ton casque. Mais il y a le fil, tu peux t'étrangler. Vas-y, à quelle heure? Tu mets au frais. Hier, je suis montée à. Ouf, ouf. Ouais. À 1h du mat, je crois. Et qui t'a dit de rentrer dans ma chambre? Moi. Ouais. Mais moi je dors mieux avec mon casque sans. Ben non, après tu vas t'étrangler. Parce qu'on me dit. Allez, je peux baisse le son. Tu peux les mettre. Bah c'est sûr que c'est mieux, au moins on n'entend pas ton ah, son. Ah voilà. Ouais, mais tu peux pas dormir avec, c'est dangereux.
beaucoup d'avoir un fil derrière son. Bah oui. Si tu bouges à la nuit, il s'enroule autour de ton cou et tu t'étrangles. Je me réveille. Tu t'étrangles. Elle fait. Ouais, mais j'entends. Bah, on va devoir finir ça, malheureusement. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Et je vais devoir tout manger. C'est dommage. On n'a pas le droit de faire de gaspillage. Vas-y toi. Crapé. Je vais mettre de l'eau. Viens crapé. Quoi, je peux boire? Tu manges ou je lave? Non, vas-y, moi. Non, mais moi, quand tu chocolat sur mes vêtements et tout, je te fais. Non, non. Ah. Nenga la wende. Ça va ton bronzage? Je vais le taper. Non, non, ça c'est pour moi. On n'a pas le droit de gaspiller, hein, c'est pas non, bien. Non, faut pas que la nourriture. Quoi, Mel? Ben, je sais pas moi, c'est juste appuyer sur le mute. Bon, voilà, du coup, on a fait les mousses chocolat. Donc, je vais vous laisser parce que là, ça fait déjà 30 minutes qu'on vous filme la recette. Donc, c'est... Attends, je vais mettre ma tête. Coucou. Tiens. Et tu fais pas crier la télé. Ça fait déjà 30 minutes que je vous filme rien que ça. Et je crois que j'avais déjà filmé genre 17 minutes avant. Donc, ça va être encore un long vlog. Oui, tu peux mettre Roblox. Je peux parler, s'il te plaît. Merci. 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 Qu'est-ce que t'as mangé? T'as un truc sur ta dent, tu vois? Ah, c'est un truc, un morceau de ta pizza, je crois. Ouais, t'avais un morceau de pizza ou je sais pas quoi sur ta dent. Bon, pizza, donc vu que ce vlog est assez long, donc je vais vous laisser. Moi, je vais aller certainement faire ma vaisselle. Pour que je prenne le courage de faire la vaisselle. Et je vais aller nettoyer les litières parce que ça pue. Ça pue le pipi. Donc je vais aller ça pue trop le pipi. Les deux zouaves, là, ils vont aller prendre leur douche, se brosser les dents et se coucher. Demain, je vais vous lever plus tôt parce que là, ça va pas le faire. Hein. Dans une semaine... Tu vas pleurer. Oh, pardon. Je croyais... En fait... Comme... Je t'ai pas fait mal. En fait, comme je regarde là, je croyais que j'étais loin. Mais t'étais tout près. Bah ouais, mais regarde, pour moi, t'es loin. Bah non. Là, je suis loin. Bah ouais, là, t'es loin. Mais avant, j'ai cru que t'étais à peu près comme ça, donc j'ai fait ça trop. J'ai pas vu ton œil. C'est pas vrai, t'as eu mon doigt dans l'œil. T'es sérieux, j'étais en train de t'imiter là. T'as eu mon doigt dans l'œil. Non, j'ai eu là. C'est pas fait mal. Non, c'est pas fait mal. Dans une semaine, vous allez pleurer. J'ai pleuré. Et je croyais que t'étais plus loin, moi. Mais... J'ai fait ça parce que j'ai dit, oh, mais il est là-bas au bout. Là. Bah ouais, bah j'ai fait ça pour. Regarde. En fait, t'es prêt. Oh là là, je vous jure. Bah ouais, on dirait. Toujours des conneries dans les vlogs. Faut que je m'enferme dans une pièce sinon. Et encore. Il se fout de moi. Hein. Répète après moi. Je suis un petit merde. Ah là, tu dis pas. Tu répètes pas là. T'as pas dit la phrase comme il faut. Si, t'as pas. Répète après moi. Faut que je rachète une. Pourquoi tu m'emmerdes tout le monde? On dit pas embête, on dit embête. C'est toi qui l'as dit. Pourquoi tu m'embêtes tout le monde? J'ai dit ça. Ouais, ouais, tu as dit ça. J'ai dit ça. Non. T'as dit ça. Non. Bah, je regarderai dans le vlog, je sais plus. Non. Tu embêtes tout le monde. T'es un peu chimère de ta vie. J'étais en train de dire du coup qu'il faut que je rachète une poignée pour mon toilette. Parce que je sais pas, elle a cassé ou elle a pas cassé? Je crois que c'est resté bloqué ou je sais pas, donc c'est sûr qu'il a démonté. Mais en fait, le ressort à l'intérieur, du coup, il a cassé. Et ça fait que, bah, je vais vous montrer vite fait. Sans faire montrer Mel. En fait, la poignée, du coup, regardez, elle est toute... Donc en fait, il faut juste normalement bien la relever pour qu'elle... Mais du coup, bah, moi, à chaque fois que je vais aux toilettes, maintenant, j'ose plus fermer ma porte. J'ai trop peur de rester coincée. Donc je ferme plus la porte. Voilà. On va acheter une nouvelle poignée parce que ça craint.
Oui, il est chiant. J'ai rien fait. Si tu m'embêtes et tu te fous de moi. Bon, du coup, je vous laisse pour ce vlog. Tu dois savoir ce que je dis, là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Salut!